longtemps qu'il n'avait pas parlé. Ça va là, tu vois? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Il va s'y ouvrir. Fais gaffe, parce qu'il y a plusieurs morceaux dans le nez. J'ai pas de nez. T'as pas de nez? Non. C'est vrai? J'ai pas de nez. Laisse-le alors. C'est qu'il a dû être réparé à un moment. C'est bien, il a remis son nez. Là, il y est. Hein. Il y est, mais regarde, il fait le trou du nez. On va voir sa bouche un peu comme elle est. Le buste en feuille d'acanthe. Ils sont magnifiques, hein. Tu sais quoi, je vais descendre, je vais te laisser filmer, je vais remonter après. Ah non. Pas trop long de la vidéo. Comment? Pas trop long là. Parce que sinon pour le charger après, il faut pas se remonter. Tu veux quoi, 1 minute 30? Ouais, pas plus. Même pas, tu vois, 40 secondes, c'est bien. 1 minute. Il y a une décoration, donc c'est restauration des gypseries, 5 rue de l'Ormeau, à Riez-la-Romaine. On est dans les dernières gypseries là. Donc c'est des coins en fait, des siècles, de la montée d'escalier. Du premier niveau. Donc là, on arrive à une couche de peinture qui est très fine. On arrive sur une badigeon de couleur et dessous, là, la gypserie, le plâtre. Mais autant, il y a encore une couche de plâtre fin dessus qui a empâté là, tout ça. Donc on va essayer de venir. Elle est là. Oui. La touche à l'esthétique, que j'étais juste en train de parler avec ma belle-sœur et ma femme qui devait dire oh, il faut celui-là. Que l'esthétique, c'était comme la religion, ça ne se discutait pas. C'est comme ça et autrement. Et pas autrement. Voilà. Ah, ça me plaît, oui, ça me plaît. Tu n'as pas besoin de dire pourquoi.
C'est beau, peut-être. Voilà. Donc, j'ai découvert ça l'année dernière. Oh, on peut voir ce que vous avez découvert. Que ça ne se discutait pas. L'esthétique. Ah, l'esthétique, alors, l'esthétique. On va voir, vous allez voir, oui. Si c'est plus beau ou moins beau. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Seulement, alors, l'état, il est... L'état de préservation. Là, il y a du boulot. Oh, il y a du boulot. Oh, bon, mal. Et Véronique. Oh mon Dieu. C'est fou. Ah ouais, c'est fou. Oh là là. C'est beau. Mais là, c'est... C'est dans le jus, hein. Et puis, y a... c'est la seule pièce comme ça. Hein. Tout le reste, ça a dû être refait, etc. Et on voit plus ces belles moulures, ces trucs. Oui, et puis, oui, les arrondis, en fait. Moi, c'est ce qui m'épate ici, c'est qu'il y a... c'est comme s'ils expérimentaient la matière et les motifs, et donc chaque artisan ou chaque maison, c'est une création d'un décor. Comme là, il y a à la fois la petite voûte à grande gorge, enfin la corniche à grande gorge, et puis après, ceinturée par des petites moulurations. Et là, je vois qu'il y a un morceau qui est tombé là. Aïe, 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 ben voilà. Où ça? Là. Oh là là. Tous les morceaux là. Oh là là. Scandale. Scandale. Ouais. Il est léger celui-là. Très léger. Par rapport à celui-là qui est lourd. Celui-là est excessivement léger. C'est l'arrondi là qui est tombé. C'est là. C'est là, le coin là. Voilà. C'est le coin qui est tombé. Et puis là, il ne faut pas les jeter les morceaux. Hein. Ah ben non, alors. Alors il faut le dire à la femme de ménage. Non, mais elle ne vient pas trop, là. Elle ne vient pas trop. Elle vient pas trop. Mais enfin, c'est vrai que si quelqu'un vient, ça disparaît. Hein. Ah oui? Alors, j'étais presque en train de penser, mais vous allez me dire, il est fou. Prenez-le. Ah, mais au moment où on le met à l'atelier. Et on le met à l'atelier. Vous savez, quand l'atelier du 12 rue du Marché, là, ouais. Comme ça, si vous le revoulez, vous le récupérez. Parce que là, je vois rien qu'en marchant. Enfin, on peut les écraser, là. Il faudrait revenir avec... Donc, nous sommes sur le palier du deuxième étage de la maison située au numéro 5 de la rue de Lormont à Riez, dans le 04. Donc, des travaux de rénovation ont été réalisés. On a cassé la gypserie, ici, la petite mouluration avec le décor végétal. Et à partir de là, on peut observer un petit peu de comment étaient réalisés ces décors de gypserie. Donc on peut voir ici le corps d'enduit en plâtre gros, provenant sûrement de Saint-Jurs. Ensuite, ici, un enduit de finition de plâtre fin blanc, que l'on voit toucher les décors de gypserie et offrir une continuité. Donc là, on a une petite mouluration ici et des décors végétaux. On voit que finalement, ces décors s'appuient sur le corps d'enduit. Donc, ces décors sont ancrés dans le corps d'enduit. On peut voir de l'autre côté, finalement, ces décors à l'intérieur, donc constitués d'un plâtre blanc fin, très fin. On peut aussi observer une cloche, sûrement plus récente que les gypseries, mais assez ancienne également. Et ici, concernant cette gypserie, on voit également donc là le plâtre fin de finition. Donc là, nous avons la finition. Et une finition qui court et qui passe ici, qui semble juste se délimiter à la gypserie. C'est-à-dire que la gypserie a été réalisée avant cette finition.
vers là. Celui des anges. Regarde le mollet qu'il a ici. Bon, après si tu veux, là c'est vachement dur. Il y a une décoration, donc c'est restauration des gypseries, 5 rue de Lormont, à Riez-la-Romaine. On est dans les dernières gypseries là. Donc c'est des coins en fait, des sièges, de la montée d'escalier, du premier niveau. Donc là on arrive à la couche de peinture, qui est très fine. On arrive sur une badigeon de couleur et dessous, là la gypserie, le plâtre. Mais autant il y a encore une couche de plâtre fin dessus qui a empâté là tout ça. Donc on va essayer de... Ça me dit que c'était pas là que je venais avec mon frère chercher des ruches. Parce qu'on appelait ça l'escalier noir mystérieux. Il y avait même une chanson. On avait fait une chanson. Donc c'est ça là. Ça doit être la maison. La maison là-bas. La lumière, Julien, s'il te plaît. Escalier noir mystérieux. Je te raconterai. Avec mon frère. Donc c'est pas ici. C'est juste à côté. Il y a un autre escalier à côté qui est actuellement à vendre avec des petites balustrades comme à l'ancien hôtel de ville. Je sais pas si ça va. L'accent toulousain. C'est pour ça qu'il m'a plu, Julien. C'est parce qu'il avait l'accent un peu de. Non, c'est très très bon. Là, vous voyez, on a laissé des stucs, des gypseries, on n'en a même pas dit dans le long jus. Là, on voit que c'est quand même un peu de la même chose. C'est la même chose que là-haut. Ah oui, mais vous l'avez. Avec là, il y a les petites cornes et ça va. Quand on sait une offerte de ce qu'il y a dans le monde. Ça n'a rien à voir. Ça a une autre de elle. Ça n'a rien à voir. Ouais. On est dans autre chose. On est dans autre chose. Oui, donc, oui, mais à côté, il y avait des chiens. Quand on est décapé, il est quand même il y a une qualité esthétique qui est quand même supérieure.
ça aussi. Oui. Il y a une cage d'escalier à F qui est 17e. Et dans chaque angle, dans les équations, il y a Ah oui, c'est symbolique aussi. Des animaux. Moi, je suis restauratrice, je restaure. Je restaure les épiceries. Ouais. On a restauré celle de l'hôtel Béranger à Port-Cartier. À Manosque aussi, on a fait une corniche. Ils sont grands. Ils doivent avoir 60-80 cm. Ah ouais, c'est des coins de tête. On sur deux étages. C'est bon. Ouais. Et c'est vous qui êtes venu voir aider un monsieur à ranger un tout petit pigeonnier, un tout petit bâtiment au-dessus de Montagnac. Montagnac. Bertrand, ça fait du paysage. Je suis pas envie de t'appeler. Parce qu'on va parler d'une restauratrice qui était extrêmement brillante pour parler de tout paysage. Ah, lecture de paysage, c'est pas pareil. Moi, j'ai fait des stucs et je restaure des gypseries. Je fais des gypseries comme ça. Oui. Après, la lecture de paysage, non. Parce qu'on parlait de quelqu'un de Ries. De Ries oui. Peut-être que alors, c'est moi, hein. Il n'y en a pas 46 000, hein. Ben oui, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que je vous ai demandé si c'était vous. Peut-être, je ne sais pas. Montagnac. Un tout petit bastidon, une toute petite chose qui est sur le coteau. En venant d'ici. Ah, que je devais restaurer. Voilà. Oui, c'est moi. Voilà. Vous faites deco-verone.net sur internet. Verone comme. Comme la ville italienne. Verone. Deco-verone- Et c'est le point net, c'est pas point com. Oui. Je suis en train de changer. Et là, vous verrez un peu mon site. Oui, je devais restaurer le César, oui. Monsieur Jobert. J'ai vu son nom. Voilà, ben oui, c'est ça. Ah oui, mais avec la crise et tout ça, ça n'a pas... Mais bon, c'est vrai que là, on est en train de restaurer une façade à Valensole et on fait une cuisson de plâtre. On récupère du gypse dans la montagne et là, on en vient. Et on refait des cuissons à côté du chantier. Et on leur fait la façade comme elle était, comme avant, il est faisait, voilà. Pour le prix d'une façade neuve. Donc bon... Wow. Ouais, je pense que c'est des beaux cadeaux qu'on fait pour nous. Voilà, tenez, hop là, vous serez sur le tour du monde comme ça. Vous allez voir toutes mes vidéos. D'accord. Donc j'ai filmé aussi
l'hôtel de Bologne. De Bologne, la porte est ouverte à la mairie. Là, vous rentrez, c'est une cage d'escalier. Oh, elle est sur YouTube, hein. Mais allez, à Bologne, sur la place de la mairie, c'est la HLM. Vous rentrez, et là, vous vous détachez sur trois niveaux. Toute l'histoire du châtelain avec sa dame et tout, dans les champs. Voilà. Mais vraiment beau, hein. Et après, il y a le Ventavon aussi à Cisteron. Merci pour la mine en fin de nous. Voilà. Là, il y a Ventavon et Volande. Il y a deux endroits là à voir. Et pour Calquier, c'est.